t'as mis tout, puis ensuite t'es obligé de tout désaver pour choper le téléphone qui est à l'intérieur. Hey, bonjour à tous! On se retrouve tôt le matin. Putain, je vois rien, non? Oh, j'ai appris plein de choses ce week-end sur la moto. J'ai regardé plein de vidéos de motovloggers et... Enfin, des motovloggers qui se sont arrêtés par les flics. Alors, j'ai vu que le téléphone était interdit en moto, mais ça, je savais déjà, les écouteurs, c'est interdit. Par contre, ce qui est débile, parce que l'intercom est autorisé. Alors, je sais pas, pour moi, c'est un peu pareil. Alors, les écouteurs, je suis pas sûr qu'ils te cachent. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'ils te cachent un peu plus le bruit de la route et tout. La visière teintée, c'est interdit. Alors, ça, je savais que c'était interdit de nuit, mais par contre, le jour, je savais pas que c'était interdit. Mais du coup, au final, on a regardé sur les visières teintées, et il y a des phrases marquées en anglais. Sur la mienne, c'est marqué « daytime only ». Donc, c'est qu'on peut rouler avec deux journées. Et sur... Le deuxième cas, c'était écrit, c'était une visière noire, noire fumée. Et c'était écrit juste pour la piste. Je sais plus si c'était écrit comment en anglais, mais en gros, c'était juste pour la piste. Donc, est-ce que le mien est homologué pour la journée, mais pas pour la nuit? Est-ce qu'il est homologué pour la route? Je ne sais pas. Mais c'est marqué dessus que c'est pour la journée, en tout cas. Ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'interdit que je savais pas? Il y a un peu une ambiguïté sur les pots d'échappement homologués. Hein. Je réclame pour les poubelles surtout, parce que mon mari, il ne sait pas les porter, toujours avoir ouvert le garçon, je m'énerve. Qui disent que c'est homologué les pots que tu changes, il y en a d'autres qui disent que non. Là c'était le cas avec un mec qui avait un pot Acra. Alors quand il n'avait pas la chicane, c'est sûr que c'était pas homologué, ça ok. Mais par contre avec la chicane, il y en avait certains, ça passait pas quoi. Ils disent ouais non, Acra, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de machin, il n'est pas aussi court normalement, vous l'avez changé. Alors que d'autres, non, du moment qu'il y a les chicanes, c'est bon. Un peu bizarre tout ça. À faisant oh. Ah, caca. Ah, je kiffe les agriculteurs, franchement. Vive la campagne. Ouais, je crois. À plusieurs en moto quand même hein. Le meuf les deux. Ah c'est super d'être plusieurs hein. Et niveau homologation. T'as eu trop de mal à parler. C'est le matin, c'est trop tôt. Ça fait je sais pas combien de semaines que je me lève à 8h et là boum ce matin 6h. Avec le confinement on change d'horaire au boulot tout le temps. Un coup télétravail, un coup pas. Ah, je suis dans le 6ème, ok. Vu que j'ai pas ma vitesse affichée, je sais pas en combien je suis, c'est trop chiant. Ouais, je vais être beaucoup trop tôt au boulot là. C'est ça le truc en moto, en fait tu mets 3 heures à te préparer parce que le temps de t'habiller, tout ça c'est long. Et quand t'es sur la route, tu rattrapes le retard que t'as perdu, mais limite t'es vachement plus en avance du coup. Ah si, ça y est, j'ai retrouvé les rétros en bout de guidon. Ah mais non, c'était pas homologué parce qu'il était trop petit. C'est moins de 7 cm je crois, un truc comme ça. Et du coup, il était pas homologué, il était en bout de guidon. Et le mec, il avait qu'un seul rétro, c'était à gauche. Oh, c'est pas beau, je trouve. Hein.
ce bruit. Ça sert à rien que je double. Pas de clignotant. Oh Dieu. J'ai froid. Je pense que ça a dû chuter de 5 degrés, moi. C'est ça quand tu passes d'une campagne à une autre. Ici, il y a des microclimats, c'est un truc de fou. Des fois, tu fais 10 minutes dans la voiture et Enfin, genre, tu pars du boulot, il flotte à torrent, tu fais 10 minutes de voiture et c'est comme s'il n'y avait jamais eu de pluie. Oula, Corona! Je vais mourir, c'est bon? Non, je rigole. Gouéla! Pas! Putain d'animal! Ah, ici, il y en a un chier des mouettes là, des goélands. C'est pas un goéland, mais. Blam, 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 le goéland, le bateau blanc qui. Blam, blam, le goéland. C'est pas un goéland, c'est une mouette, mais trop de mouettes à cause de la viande là. Wesh, casse les pieds les mouettes. Elles font caca sur ta voiture tout le temps. En fait, c'est simple, tu la laves, automatiquement elle détecte la voiture propre et elle chie dessus. C'est automatique chez les mouettes, je pense. Du coup, j'ai arrêté de laver ma voiture, ça m'énerve. Elles me font consommer des trucs de lavage quoi. Dans la voie d'accélération et d'être déjà à la vitesse à laquelle t'es censé rouler. Aujourd'hui, on n'a plus le choix ni d'avoir froid ni d'avoir chaud. La route est trop mouillée. C'est parce que hier il a beaucoup plu. Mais c'est pas très grave. Si je vois rien, c'est grave du coup. On dirait une mamie quoi. Je parle pas beaucoup parce que je suis très concentré sur la route. Caca, il est là. Oh la vache. Dangereux, hein. Ça glisse, hein. J'ai glissé, chef. On a senti, la moto, elle fait... Je sais pas si on aura vu, mais... Moi, je l'ai senti, en tout cas. La gendarmerie, pardon. J'ai mis trop de temps à réagir. Je suis complètement à l'ouest aujourd'hui. Prends en course ses photos. Il prend en photo ses courses. Ah la vache, j'arrive pas à parler. Waouh, cerveau est en verlan aujourd'hui. Bon jeu de vitesse. Oh, j'avais le temps. Ouais, j'ai fait ma voiture là.
Quelle conne? Pour voir un... Attends, je vois rien, il y a une biche là, non? J'ai vu une biche, je suis pas taré quand même. Je vois rien avec ma visière. Hein. Oh les kikis. Bah non, t'es en voiture. T'as pas envie de finir en galette quand même. Ah lui, dès qu'il va avoir la ligne droite, là, il est chaud patate, le gars. Allez, on y va, c'est bon. Hein. Il a tout défoncé avec sa Hyundai. Ouais, tata. Oh, ça le brûle, là. Je sens bien, je vois bien sa tête. Elle tourne, elle regarde, elle tourne, elle regarde. Fight! What the... Oh, j'ai failli m'éclater dans lui là. Bah oui, à part regarder la route, je sais pas, j'ai senti un truc tomber dans mon dos, je sais pas ce que c'était. Oh, j'ai eu peur. Ah, j'ai mon cœur, il est à l'envers. Ah, vous sentez cette déception énorme? Le Duster, il tourne. Allez, Duster, on y va. Duster, c'est tes champions. Appuie sur champignon. Duster, t'es un gros con. Vas-y, colle-toi au fond. Ah, je sais pas, ça arrive, mais je trouvais ça bien. Ouais. Chier. Il est capable de piler ce con.